Salut, je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans, j'adore manger du curry, boire des bières et rigoler avec mes amis. Je suis aussi intersexe. Mais en fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube auparavant, donc sur les vidéos de Pigeon ou de Emily Quinn ou des choses comme ça, qui sont des américaines qui font des vidéos sur YouTube sur le thème de l'intersexuation. Et ensuite, j'ai cherché des vidéos francophones. Et là, j'ai trouvé des vidéos francophones, mais de personnes trans qui faisaient des vidéos sur l'intersexuation, ou alors de journalistes un peu bizarres, ou des bouts de reportages par-ci par-là. Mais jamais une personne intersexe qui fait des vidéos, qui explique et où il y a son propre montage. Parce qu'avec le montage, je peux montrer plein de choses. Moi, je fais des blagues, j'essaie de faire ça un peu de manière rigolote. Mais au début, j'avais très peur aussi des répercussions, quoi. Parce que du coup, on voit mon visage sur les réseaux sociaux et on peut partager. Il y a peut-être des gens, des trolls, des haters, des choses comme ça. Et du coup, j'avais un peu peur. Mais finalement, tout s'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques personnes moins sympas, mais en général, c'est bien allé. Pour moi, c'est très important, les réseaux sociaux. Je pense que ça a beaucoup apporté au mouvement intersexe parce que du coup, comme on est peu de personnes et qu'on c'est très difficile de nous trouver, en fait, grâce aux réseaux sociaux, notamment à Facebook, on a des groupes où on peut partager entre nous, entre activistes, sur des thématiques particulières. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent ben, merci d'avoir fait cette vidéo, ça me fait du bien d'entendre des mots non pathologisants ou bien émancipateurs par rapport à mon corps. Je suis intersexe, je connais que les mots médicaux. Oui, j'ai déjà entendu parler du festival, mais en fait, comme je suis assez en lien avec la communauté intersexe française, même si je suis suisse, ben, beaucoup de personnes intersexes de France viennent au festival chaque année. Et l'année passée, il y a le film Ni d'Ève ni d'Adam, une histoire intersexe qui a été projeté. Et j'étais aussi dans ce film-là. Et donc du coup, j'en avais déjà entendu parler, ouais. Enfin, j'ai un peu peur. Non, je me demande un peu qui c'est qui sera sur place, combien il y aura de personnes, etc. Enfin, j'ai un peu peur d'avoir une salle vide. Mais ensuite, je me réjouis en fait qu'elles soient projetées, qu'on les voit. Et après, je suis contente que le cinéma de Dordogne, enfin le festival du film de Dordogne, donne une place aux personnes intersexes depuis maintenant 7 ans, en montrant chaque année des films ou des discussions thématiques et des choses comme ça. 15 minutes que le bénévole il fait que dire non, désolé, c'est complet, à une centaine de personnes. Mais non. Bah si. Intersex et mon corps est médicalisé sans mon choix. I'm intersex and my body is complete. Ich bin inter und mein Körper ist ein Körper. Ich bin inter und mein Körper ist perfekt, so wie er ist. Ich bin inter und mein Körper ist mein Zuhause. Je suis intersexe et mon corps est magique. Soy intersex. Y al pensar que soy parte de la inmensa diversidad humana, terminé con la medicalización y la invalidación de mi cuerpo. I'm intersex and my body is mine and nobody else's. Ich bin inter und mein Körper verspürt Lust. Je suis intersexe par ma barbe et mon corps, mon visage sont uniques, précieux, merveilleux, comme celui de tous les êtres humains. Ich bin inter und mein Körper ist eine Störung. Ich bin intersex, eine Miller, ein Millerak. Man gurji hastam, ba oshere badan hastam. Ég intersex og ég á líkamann minn sjálf. Sono intersex e il mio corpo è un Mozart della natura, troppo d'avanguardia per i medici, ma l'interprete della mia vita sono io. Я интерсекс человек, и мое тело – это не интересный медицинский случай. I'm intersex, and my body is mine. Я сам интерсекс, но мое тело не мое. Je suis intersex, et mon corps est unique dans tout le monde. Ich bin inter, und mein Körper gehört mir. Hi, I'm intersex, and I'm out in.
Depuis deux jours, il y a une vingtaine de comités de soutien qui se sont rassemblés hier soir, lundi 19 à 18h. Il y a eu des, alors on peut retrouver la liste hein, sur internet, des rassemblements. Il y a eu à Rennes, à Lorient, à Guingamp, même au-delà de la Bretagne. Et puis le comité de soutien vraiment propre autour du territoire de Rochefort-en-Terre qui se mobilise. Alors déjà, on s'est mobilisé le 14 août au moment de son audience. Et grâce à son avocat et à la défense qu'on a pu permettre un délai en fait pour avoir plus d'informations au niveau de l'Italie parce qu'il manque énormément de choses sur le sujet, de comprendre un petit peu ce qu'il en est pour lui. Dans ce contexte de tension sociale et politique, la justice d'avoir une peine complètement disproportionnée, enfin 12 ans de prison pour dévastation et saccage sur une loi qui est basée sous l'ère Mussolini. Donc il y a vraiment cette injustice. Et puis ce qui est revenu beaucoup dans nos discussions et de quand on comprenait, c'est la liberté de manifester en fait. Ça veut dire quoi? On vient manifester et puis on peut se retrouver arrêté et condamné. C'est ça qui nous interpelle et sur lequel on a envie de se mobiliser. Et voilà, pour Vincenzo. La fascisation du pouvoir italien est vraiment en jeu là aussi, parce que cette année, il y a vraiment une pression sur le gouvernement français pour renvoyer tout un tas de personnes qui étaient en cavale depuis d'autres mouvements plus violents. Hein. Et condamné pour des faits bien plus lourds que Vincenzo. Mais du coup, là aussi, on ne veut pas qu'il serve d'exemple au gouvernement italien, quoi. Depuis cette nuit, il y a une pétition qui a été mise en ligne. Donc voilà, c'est aussi ça, le comité de soutien, c'est de communiquer autour de ce qui se passe pour Vincenzo et pour cette situation-là. Il y a une pétition qui a été mise en ligne, il y a une lettre ouverte. On peut retrouver tout ça sur le site du comité de soutien Vincenzo. Et voilà, on espère la mobilisation de tous pour ça. Salut à tous, nous sommes toujours en direct de la 42e édition du Festival de Douarnenez et aujourd'hui, pour notre plus grande surprise, un nouveau cinéaste a fait son apparition sur la croisette bretonne. Il s'agit de Quentin Tarantino qui est venu présenter son dernier film. Nous avons recueilli pour vous les impressions des spectateurs. À un moment donné, il y a vraiment un aspect chorégraphique par rapport à entre l'image et le son. Et notamment les passages sous l'eau. Ça racontait quoi en quelque chose? C'est ça le problème, je sais pas.
bon, on pourrait critiquer un peu sur le plan des, du temps, etc. Mais bon, en gros, c'est un film chouette à voir. J'aurais bien voulu savoir, mais c'est un autre film, forcément. Comment ils se débrouillaient au niveau financier, parce que quand même, ils ont l'air d'avoir des moyens quand même financiers. Ce serait intéressant de savoir d'où ça vient. Un peu. Voilà, c'est tout. Il décrit un peu la manière dont... Donc les zadistes qui étaient sur la zone ont géré la fin, enfin pas la fin, mais en tout cas la période délicate où il n'y a plus d'affrontements, enfin moins d'affrontements. Qui a commandé des saucisses de Francfort bien grillées? Cramez, sale enfoiré nazi. C'est rigolo. Voilà, et on découvre des images, des sons qu'on ne connaissait pas. C'est un grand frère qui doit s'occuper de sa sœur et qui a une maladie, elle dort. Enfin, ça a un nom cette maladie, mais j'ai oublié le nom. Mais il est quand même très à cœur de s'occuper de cette petite sœur et décide de la marier. Sauf qu'elle, elle est amoureuse d'un petit copain du village. Et puis il décide de s'occuper de ses cousines. Et du coup, il invente une histoire, il dit qu'il va marier sa sœur. Sa petite sœur a un homme très riche. C'est un tissu de mensonges, tissu de situations incongrues, c'est drôle, c'est très bien joué, je crois qu'il a eu un prix d'ailleurs. Alors c'était un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. J'ai bien aimé parce que on voyait la situation au Gabon, ça du coup c'était très intéressant aussi. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui a habité 10 ans en France. Et travaille sur un article de la Constitution française. Moi, c'est Eric Dalton. Enchanté, monsieur Schwartz. Appelez-moi Marvin, et on se serre la main. Et donc le film, il parle de la vie du mec, de sa philosophie de vie, et voilà. Et j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est un personnage qui représente... ça représente quelque chose, quoi, et que ça traite de questions... qui me touche, c'est plus ça. C'est un film burlesque, c'est fabuleux. Moi, c'est vraiment fabuleux. À un moment, quand on voit deux vieux monsieur, un Suisse et un autre, qui passent devant une fanfare main dans la main, c'est un très très bon film. Bon, qu'est-ce qui va pas, mec? C'est officiellement vieux. Je suis un spin. C'est un groupe de mamans. Dirons-nous en colère ou plutôt organisé, et c'était très émouvant, très très émouvant, et ça a été la fin du film et chacun a fait épaf. Comme vous l'avez constaté, les avis divergent. Nous vous laissons avec les images exclusives d'un entretien que nous a accordé le réalisateur. J'aime beaucoup le Breton, pour moi c'est un vrai plaisir de venir ici à retrouver les roots. Tenez un bar sur le port Douarnenez. J'ai beaucoup entendu les histoires, les stories de Douarnenez, After Midnight, ça m'a Banana Boat, tout ça, ça m'a beaucoup influencé. For me, c'est good pleasure and very emotion, beaucoup d'émotion to be here, yes. Qu'on allait vers le mur, mais on pensait qu'on était chacun seul à penser. Et à partir du 22, il y a eu une masse dans les rues de différentes couches sociales qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer puisqu'ils nous ont un peu fractionnés. Et la chance qu'on a, nous, donc à Brocard et moi en tant qu'artiste Princesse Azou, en fait, moi, ça fait des années, ça fait 14 ans que je parle de ça dans mes créations, mais de façon pas déguisée, mais presque avec un cheval de Troie. J'ai des œuvres qui sont ultra colorées, et la première impression qu'on a, c'est pas de se dire « Ah, oh, c'est un art engagé », c'est de se dire « C'est joli !»
ça fait un peu, mais c'était le jeu, parce que je savais que si c'était, parce qu'en Algérie en fait on a rendu la politique limite blasphématoire, donc je savais que si j'allais directement, franchement, avec quelque chose d'ultra politisé, ben les gens allaient être frileux. Donc mes créations sont toujours très colorées, mais il y a des choses qui reviennent régulièrement. Qui était déjà là et qui revient. Il y a les mouches que j'utilise énormément. Alors ça se voit pas tout de suite, c'est pas ce qu'on voit tout de suite. Donc dans ce monde ultra coloré, un peu dans le monde Alice au pays des merveilles, on voit des mouches, et les mouches en fait, ça parle de cet état où tout a l'air de fonctionner, mais s'il y a des mouches, c'est qu'il y a quelque chose qui pue, et qu'il y a quelque chose qui est en putréfaction, qu'on ne voit pas faire forcément, mais s'il y a des mouches, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on est en plein dedans. Ça fait des années qu'il y avait des nuées de mouches auxquelles on ne faisait pas attention, on camouflait, on mettait des choses, et là on a les deux pieds dedans. Alors il y a des lapins. Alors les lapins, pour moi, c'est du coup le lapin d'Alice au pays des merveilles, le lapin qui n'a pas le temps pour donner l'heure, et pour moi c'est l'homme des médias d'aujourd'hui. Alors pas que pour l'Algérie, pour le monde en général, on est dans une actualité mondiale, on est dans un monde qui est en train de se transformer, on est dans des choses qui sont inquiétantes pour tous, mais nous en tant qu'Algériens on a une double peine, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement dur ou du terrorisme ou quoi, même si ce jour-là on a été dans notre côté toute la journée et qu'on est sûr d'avoir rien fait, on a la boule au ventre en se disant, enfin avec une culpabilité qu'on nous a fait porter, parce qu'on se dit c'est peut-être un Algérien, un Maghrébin qui a mis le truc, parce qu'on nous a habitués à ce que ce soit ça. Et moi ce que je fais, c'est que, alors j'ai des Maghrébines, mais j'ai aussi des non-Maghrébines à qui je fais porter des tenues maghrébines, et je mets des poissons sur les yeux, donc les gens se disent ah c'est l'Algéroise, la cabine, mais non, c'est juste que je triche, je fais dire ce que je veux à l'image. Et si moi, Hania, à mon niveau, je peux faire dire n'importe quoi à l'image, ça veut dire que tout le monde peut aussi faire manipuler, faire dire ce qu'il veut à l'image. J'ai le droit de dire que si je fais cette chanson, je la dédicace pour Steve. Je suis pas clarinettiste. Hein. Je te préviens. Oui, moi c'est la première fois que je suis bénévole au festival de film de Douarn, et c'est la première fois que je suis bénévole en général sur des toiles sèches. Voilà. Moi c'est tout pareil qu'elle. Ouais, première fois de tout ici. Une qualité, bah on va dire la motivation, l'implication dans son poste. Non, c'est de l'envie, et puis il faut aborder la chose autrement. Je veux dire, ben, on va tous aux toilettes, quoi. Hier, les garçons, puis ils ont mis bien l'ambiance aux toilettes sèches, donc. Elles sont un peu bizarres, mais elles sont belles quand même. Et en un mot, ça donnerait quoi? En un mot, ça donne magnifique. Ah ouais, la déco, elle est top, regarde. Enfin, genre, tu peux pas filmer là, mais... Tu vois, il y a des petits chats, il y a des petits compliments, genre, tu es magnifique. Tu vois, c'est beau, il y a des petits trucs. Des petites consignes aussi, quand même, mettez le papier toilette dans les toilettes, c'est pas mal. Cette année, ils ont
rajouté hier, on a rajouté une petite bouteille pour laver sa cup. Très grande fête gauche, je dis que mes repères, c'est festival de cinéma. Magnifique festival de cinéma de Douarnenez. Forum populaire et intellectuel. C'est un beau festival de cinéma qui s'est développé de manière extraordinaire. Ça débat beaucoup, ça échange beaucoup, la qualité est à tous les étages, à tous les niveaux. Les films, la qualité des films qu'on nous donne à voir, la qualité des débats est absolument magnifique. À Gaboué, le monde avatar et pas ça qu'on a comme une fiche à du râteau. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'aurais voulu savoir à quelle adresse on pouvait envoyer un RIB. Un RIB pour... Un RIB pour... parce qu'en fait, je me suis missionné pour le festival de cinéma de Douarnenez, là, que vous devez connaître, pour essayer de remonter un peu les finances. Comme c'est un peu une cathédrale culturelle qui est en train de brûler, là, on s'était dit, bah, tiens, que peut-être... Bernard Arnault pourrait faire un petit geste et du coup on pensait lui envoyer notre RIB. Vous pensez que ce serait possible? Bonne question, je ne sais pas. Ouais, Bernard est par là ou il n'est pas encore revenu de vacances peut-être? Je ne sais pas, monsieur, moi je ne suis qu'au standard, je n'ai pas de visibilité sur l'agenda de monsieur Arnault. D'accord. Et parce que c'est quoi le protocole quand ce genre de choses se produisent? Je sais pas, Notre-Dame, ils vous ont envoyé un RIB aussi ou... Ah mais je ne sais pas, monsieur, c'est pas moi qui suis au fait de cela. Je ne sais pas du tout comment monsieur Arnault a procédé concernant au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. D'accord. Ah, c'est un geste peut-être particulier, qu'il a fait à titre particulier, à titre de personne privée, pas à titre de personne professionnelle. D'accord, ah oui. Il a dû utiliser ses finances personnelles pour justement aider à la réhabilitation de Notre-Dame, monsieur. D'accord, ok. Bon, ben, écoutez, je vais, euh,
Je vais essayer de trouver. Vous n'avez pas son 06? Non, monsieur, nous n'avons pas accès aux informations personnelles de monsieur Arnaud. D'accord. Bon, ben, écoutez, tant pis. Bon, ben, en tout cas, merci quand même. J'aurais essayé. Tant pis.